Salut, c'est CFG Skyward, donc pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur Zelda Link to the Past, donc l'épisode 3. Donc pour une fois, depuis le début de la série, j'étais pas tout seul. Là, je suis tout seul. Alors, j'ai trouvé passage secret, donc en fait c'était tout ça, puis c'était là. Enfin, c'est par là, je sais, parce que au moment où j'étais en train de chercher, Zelda m'a gentiment donné un message, donc je sais que c'est par là. Alors, au moment où je tourne, je pense qu'on est vendredi. Il est... Oula. 16h30 et j'ai pas envie de prendre de risques. Utile. Oh, toi t'es mort. Alors là, je suis vraiment une grosse merde. Attendez, je suis concentré. J'ai pas envie de prendre ta ruby, donnez-moi une vie, pitié. J'en ai rien à cirer, vos ruby. Voilà. Non. Voilà. Ouais. Enfin, non. Non. Attendez, on va voir la solution. Alors. Carte du donjon, clé en une clé, trouver le passage secret, censé se trouver. Rez-de-chaussée, récupérer le rubis dans le coffre de la cellule. Une fois rez-de-chaussée, revenez dans la première salle et monter l'escalier pour rejoindre la salle du trône au premier étage. Ok, en fait, faut pas aller là. Ok. Ne fais pas chier. En fait, tout simplement, je pense aller par là. Fais-moi la paix. Franchement, les gens, je comprends pas cette solution. Il y a un passage secret dans la salle du trône qui conduit au sanctuaire. Je suis sûr que le maître du sanctuaire nous aidera. Ah ouais. La salle du trône, c'est là. Je pose. Ouais, c'est là. Ce blason doit s'ouvrir en coulissant. Tu as la lanterne, c'est indispensable car il fait vraiment sombre là-dedans. Si tu es prêt, nous aide-moi à pousser le blason par la gauche. Ah ok, en fait c'était tout simple, genre je suis juste complètement stupide. Alors, j'ai pas eu extrêmement de retour pour le moment sur ce let's play, hein, parce qu'on est à l'épisode 3. Hein. Mais bon, j'ai la lanterne. Attendez, je peux pas la sélectionner. Putain, il y a strictement rien. Alors, on peut être par là. C'est le serpent, je descends pas là. Oh! Et là. Alors. J'aime pas extrêmement ce jeu, les gens. Du coup, ce que je pense, c'est que. Je vais le finir, évidemment. Mais. J'en préférais faire un Zelda Ocarina of Time ou Zelda Wind Waker par exemple. J'ai Zelda Ocarina of Time. J'ai la clé maintenant, j'en fais quoi? Excusez-moi Zelda. Si vous pouvez me donner des conseils, les gens. Faut pas trop galérer. Alors, en ce qui concerne Dinosaur King, j'ai tourné l'épisode. Les autres épisodes, mais je ne le mets pas pour l'instant sur ma chaîne, tout simplement. Que voilà. Mais vous les aurez. Une fois franchis, ces égouts nous seront très proches du sanctuaire. Soyons prudents. Oula. Je vais rester prudent.
Il n'y a strictement rien. Donne-moi une vie, toi. On va garder ça, on sait jamais, ça peut toujours nous aider. Faut aller par où, les gens? C'est toi qui cache la sortie, vilain coquin. Alors. Je sais pas si je vais poster cet épisode vendredi, il faut voir bien quand vous l'aurez. Hein. Vraiment, je ne sais pas. Fais gaffe à mes vies. Voilà, c'était lui qui avait la clé. Mais casse-toi, je t'aime pas, t'es mort. Alors, faut faire très attention les gens. Voilà, on va. Je vais sélectionner le boomerang. Non! C'est celui qui a mis cassé. Ça va me faire chier. Hein. Je pouvais pas avoir autre chose, des vies, parce que là je me fais toucher encore une fois, je suis mort. Lâchez-moi une vie, je vous en prie, j'ai pas envie de faire un game over. S'il vous plaît. Non! Je me fais toucher une fois, je suis mort. Faut faire très très attention. Le bon bouton. Ouais, c'est je sais. Merde. Je sais pas du tout les gens sur quel bouton je paramétrer le A. Du coup je vous propose qu'on vérifie ça. Alors, préférence. A. B. La rigueur, mais ça changera quoi? Non, je veux que le X soit le A, je préfère taper avec le A. Le X devient le A, et le A devient le X. Ok. Du coup, je sais que c'est le... C'est... Voilà. Allez, juste en faire un. Bon, ma foi. Princesse Zelda, vous êtes vivante, Link. C'est toi qui l'as sauvée. Oui, c'est Link qui m'a aidé à m'échapper du donjon. Quand j'étais prisonnière, le sorcier a dit « Une fois que j'en aurai fini avec toi, ma dernière victime sera le sceau des sages, sourira. » Link, ne laisse pas le pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier. S'ils ouvrent le sceau des sept sages, une force démoniaque s'emparera de cette terre. Avant que cela n'arrive et qu'il ne soit trop tard, tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Tu peux réussir, tu le peux. Je crains qu'une puissance diabolique guide les actions du sorcier et augmente son pouvoir magique. La seule arme assez forte pour vaincre le sorcier est la légendaire épée Excalibur. L'histoire dit qu'un des anciens du village est le descendant de l'un des sages. Peut-être pourra-t-il t'en dire plus. Je vais t'indiquer sa maison sur ton plan. Mais fais bien attention car désormais les soldats du château vont tout faire pour te retrouver. Je vais cacher la princesse Zelda ici. Ne t'inquiète pas, va chercher l'ancien. Tu as compris? Oui. Excusez-moi, hop là.
Tu as trouvé un réceptacle de cœur. Ton énergie vitale augmente un cœur. Ah, et bien c'est bien un réceptacle. Voilà. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Nous sommes à 10 minutes. Je compte faire en moyenne 20 minutes. Un peu plus long, peut-être, parce que les autres. Alors, moi déjà, je trouve ça très beau. Maintenant qu'on est. Par la musique de Link. Je prends des rubis. Hein. Bon. Évidemment, c'est quand je suis tout seul. Oula! C'est quand je dis ça que je fail. Je fais gaffe maintenant, je laisse tomber l'herbe. Bon allez, il faut pas que je fasse de game over. Attendez. Où est la maison? C'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Donc, c'est parti. Courage fuyant les gens, ce sera le titre de l'épisode. Ok. J'adore cette musique. Voilà la maison. Voilà la maison. Monsieur le mage. Oh, c'est toi Link, que puis-je faire pour toi jeune homme? L'ancien. Oui, personne ne l'a vu depuis que sorcier a commencé à ramasser des victimes, Excalibur. Bien, je me rappelle pas très bien, mais il y a un temps peu prospéré, connu sous le nom des Iliens, a habité cette terre. Les gens parlent de nombreux trésors avec les Iliens, auraient cachés sur tout le territoire. Avec Excalibur, dont la lame toute puissante avait été forgée pour vaincre le diabolique ennemi, et l'un de ceux-ci, on dit que maintenant, elle repose dans la forêt. Tu as bien compris? Du coup, elle m'a demandé de chercher l'ancien village. Ça fait un peu court pour vous laisser. Je vais pas dormir, comme dans les Mario. Ok, allons chercher l'ancien au village. Alors, où est ce village? Du coup, bah, je suis dans le village, apparemment. Apparemment. Ma foi. Pourquoi pas. Why not, hein? Alors, excusez-moi. Oh, une cloche, je sens ça va vite. What? What does the fox say? Pourquoi j'ai 3 vies? Du coup là. Je chante faux, je sais, je vous casse les oreilles. Mais c'est bien pour ça que vous me suivez. Abonnez-vous, chers abonnés. Euh.
Ah ok, je passe par la forêt. Il tape ouvrir, ouvre un coffre. Van Ruby, il gagne son... Ouais. Alors, ouvre le coffre. Ok, ma foi. 50 rubis, j'en ai gagné 30. Pourquoi pas, hein, me direz-vous. On va voir cette maison avec une plume. Ça doit être la poste, non? Oh, la bibliothèque, elle laisse tomber. J'ai pas envie de lire, j'ai pas la tête de lire. Tout est... Alors. Alors toi, non. Sniff ni mon fils adorait jouer de la flûte, mais il est parti à la recherche du pouvoir d'or et ne pas revenu. Au petit bien et... Bon. C'est sur ce moment-là que je vais vous laisser, les gens. Donc, je vais y aller et tout. Je vais aller voir la solution. Donc, je vous dis abonnez-vous, commentez, likez et à bientôt pour la suite.